Shalom, shalom, bienvenue sur ce moment de prière, énergie matinale, en prière pour nous ressourcer dans le Seigneur. Bienvenue à tous et à toutes. Nous vous laissons vous connecter. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, nous vous invitons à partager ce moment de qualité, ce moment de prière où nous allons prendre de l'énergie dans le Seigneur. Nous allons nous ressourcer dans la force de son Esprit Saint afin de pouvoir avancer dans notre journée ou dans notre soirée en compagnie du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, de son Esprit. Nous avons besoin de nous recharger en lui. Nous partageons ce moment. Alléluia. Oui, nous allons remercier maintenant le Seigneur, être reconnaissant envers notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde, de remercier pour notre vie dans laquelle il va insuffler son Esprit Saint, son souffle saint, pour que nous puissions être vivants. Nous allons lui remercier pour la vie, parce qu'il est notre source de vie. Lui remercier pour la vie qu'il nous accorde, pour le mouvement, pour la respiration, pour l'existence. Soyons reconnaissants envers Dieu maintenant. Nous puissions prier. Élève ta voix et remercie ton Dieu. Connecte-toi à lui. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci, Père éternel, parce que tu permets à ce que nous puissions nous connecter à toi. Par le biais de ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous remplis et nous levons les yeux vers toi pour t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, merci pour cette énergie de vie
dont tu nous remplis chaque jour et dont tu nous renouvelles encore ce matin. Oui, Père éternel, cette énergie de vie fait partie de tes bontés, de tes compassions qui se renouvellent pour chacun d'entre nous chaque matin. C'est ainsi, Père éternel, que nous ouvrons nos mains, nous les levons vers toi en guise d'adoration. Oui, Seigneur, avant même que le soleil ne puisse se lever, nous, nous nous levons, Père éternel, et nous regardons dans ta direction, dans la contemplation de ta personne, dans la contemplation de ta divinité, dans la contemplation de ta bonté. Ô Seigneur, tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Oui, Seigneur, il est bon de te louer dès le matin et de t'adorer. Il est bon d'annoncer au matin ta bonté et pendant les soirées, pendant nos nuits, d'annoncer ta fidélité. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes, ô Seigneur. Oui, il est bon dès le matin, dès que nous avons l'occasion de nous enraciner en toi, de puiser en toi, ô Père éternel. Merci Seigneur parce que notre ressource ne vient pas de la terre, mais notre ressource vient du ciel. Viens de toi, Seigneur. Reçois notre gratitude et notre reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, qu'une personne soit remplie ce matin de ton énergie. Qu'une personne soit remplie, quel que soit le moment de sa journée, quand elle va se joindre à nous, dans ce temps de prière et de ressourcement. Oh, qu'une personne soit remplie de toi. Qu'une personne, oh Dieu Tout-Puissant, puisse se sentir revigorée, puisse se sentir renouvelée. Oh, dans ta présence. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Père éternel. Merci Seigneur. Merci pour la vie qui coule en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chercher notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Si elle est à ton chevet, tu vas la prendre. Si elle est dans un tiroir, tu la prends. Il faut prendre la Bible. Elle est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Le Seigneur veut que tu puisses prendre les bonnes habitudes. Ce sont les habitudes de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui savent reconnaître qu'en lui, il y a la vie. Et il nous a laissé sa parole, qui est la Bible, un livre saint. Alléluia. J'aimerais que tu puisses aller avec moi dans le psaume 143. Oui, prends ta Bible et cherche avec moi le psaume 143. Alléluia. Mes amis, le psaume 143 est divisé en trois parties.
La première partie concerne la demande de pardon. Oui, nous avons besoin au quotidien du pardon de notre Dieu. C'est la repentance, et lorsque nous ressentons ce pardon qui vient de Dieu lui-même, c'est ce ressenti, c'est cette sensation-là qui nous propulse dans un moment de louange, parce que Dieu accomplit quelque chose de bon. Dieu nous transforme, Dieu nous régénère. Alléluia. Et la deuxième partie, je pense que nous la verrons dans la session de demain, c'est une demande de protection. Et enfin, nous aurons dans la troisième partie où Dieu nous demande de pouvoir reconnaître en lui qu'il est notre guide, celui qui guide nos pas. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que d'avoir un Dieu qui nous pardonne lorsque nous faisons des fautes, qui nous protège lorsque nous en avons besoin et qui nous guide sur le droit chemin. Oh, merci Père éternel pour ta bonté. Oui, c'est un psaume qui peut s'intituler « Pardonne-moi, protège-moi et guide-moi. » Alléluia. Le psaume 143 est l'un des derniers psaumes de pénitence, dit de pénitence. Alléluia. Nous allons le lire. Vous avez votre Bible? Oui, nous avons notre Bible. Le Livre Saint. Et nous sommes bien à la page du psaume 143. Je vais le lire dans le nom du Seigneur Jésus. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le remercier maintenant pour sa parole qu'il te donne, pour sa parole qui est esprit et vie? Remercie-le pour sa parole. Remercie-le maintenant. Élève ta voix. Oh, merci Seigneur.
Merci Adonai. Merci Elohim pour cette parole. Merci pour la vie. Oui, ta parole est mon énergie. C'est ta parole qui est mon énergie, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je veux élever ton nom en fonction de cette parole. Amen. Alléluia. Mon ami, nous allons prier au rythme de ce psaume. Le psalmiste commence en demandant à Dieu d'écouter et de prêter l'oreille. Alléluia. C'est la première partie de ce verset premier de ce psaume 143. Il demande à Dieu d'écouter et de prêter l'oreille. Vous savez, les deux mots sont presque identiques. Vous savez, ils sont presque synonymes. Écouter et prêter l'oreille. Mais il y a une différence entre les deux, une légère différence. Prêter l'oreille implique de donner une attention soutenue à ce qui est dit et de réfléchir sur la réponse à apporter. En fait, le psalmiste ne veut pas seulement que Dieu sache qu'il prie, mais aussi qu'il considère très sérieusement sa prière en lui donnant l'assurance qu'il va agir. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, prête l'oreille à ma prière. Ton Dieu t'écoute. Prête l'oreille à ma prière. Cela signifie que, oh Seigneur, je veux que tu puisses réfléchir attentivement à ce que je suis en train de te dire maintenant avec sérieux. Et je m'attends à une action de ta part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier, dire, Seigneur, entends ma prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut demander? D'abord, nous demandons à Dieu, prête l'oreille à ma prière. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Ô Seigneur, ô Père éternel, entends ma supplication. Ô Dieu Tout-Puissant, ton oreille n'est pas trop dure. Ton bras n'est pas trop court. Seigneur, prête l'oreille à ma supplication. Prête l'oreille à ma prière. Oui, je vais te faire une prière ce matin. Je te demande, ô Dieu trois fois saint, toi qui es la source de mon énergie matinale, toi qui es la source de mon énergie vitale, ô Père éternel, prête l'oreille à mes paroles, prête l'oreille à mes supplications, prête l'oreille, alléluia, à ma requête, ô Seigneur. Je tourne mon regard vers toi. Mes mains sont levées vers toi et je te demande, Seigneur, de prêter l'oreille à ma prière. Amen. Amen. C'est le moment maintenant, mes chers amis, de faire votre requête à Dieu. Il est là. Ne ressentez-vous pas sa présence? Parce qu'il nous le dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, qu'il répond à celui qui l'invoque. Alléluia. Alléluia. Il est là. Tu lui as fait une requête, tu lui as demandé d'être attentif. Alors, que vas-tu lui dire? Quelle est ta requête? Alors, je te laisse maintenant faire ta requête à Dieu. Ton Dieu en personne a penché son oreille vers toi. Instamment, il est penché vers toi. Et il te dit, je t'écoute, mon fils. Je t'écoute, ma fille. Quelle est ta requête? C'est à toi, mon ami. Alléluia. Demande à Dieu quelque chose.
Alléluia. Oh oui, Seigneur. Écoute la prière de ton enfant. Oh Seigneur, écoute nos prières. Prête l'oreille à nos supplications. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est là. Il est parmi nous. Voici donc la deuxième partie de ce verset premier qui dit ceci. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Alléluia. Le psalmiste est confiant en prononçant ce cri pour obtenir justice, car il sait que Dieu est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu est souvent célébrée dans les psaumes par un même refrain. Rappelons-nous du psaume 136 qui dit « Car sa bienveillance dure à toujours. » Car sa fidélité dure à toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire, écrire quelque part, « Car ta fidélité dure à toujours. » Alléluia. Oui, en disant cette phrase, en l'écrivant, nous pouvons faire confiance à Dieu, car son amour est fidèle. Oui, Père éternel, merci parce que ta fidélité dure à toujours. Alléluia. Amen. Mais mon ami, sache une chose, sois rassuré d'une chose. Quand tu as dit, Seigneur, prête ton oreille à mes requêtes, et lorsque tu lui as présenté ta requête, sois rassuré, parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Car sa bienveillance, car sa fidélité est éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peux-tu dire Amen avec moi? Amen. 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 Alors nous poursuivons notre lecture. Nous allons aller au verset 2 de ce même psaume 143. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Oh mes amis, Dieu est juste. Sa justice signifie qu'il va défendre les opprimés. Mais il va aussi juger le péché. C'est pour cela qu'il faut t'éloigner du péché. Le psalmiste est conscient d'être une personne qui a péché, comme tout le monde. Et il prie ceci. Ô Père, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, n'entre pas en jugement avec moi, Seigneur. Tu es juste, Père éternel. Tu défends celui qui est opprimé dans ta justice, mais tu n'aimes pas le péché. Je veux te demander pardon. Alléluia. Que quelqu'un écrit. Seigneur, n'entre pas en jugement avec moi. Alléluia. Je suis conscient de ta justice. Seigneur, n'entre pas en jugement avec moi. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai dû pécher contre toi. Je te demande pardon, Seigneur. Oui. Dans cette énergie que tu me donnes, lorsqu'elle vient en moi, remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et nettoie-moi par ton sang. Alléluia. De tout péché qui vient opprimer mon esprit et mon âme. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Couvre-nous de ta justice pour que nous puissions entrer dans le lien, dans le lieu très haut. Alléluia. Dans le lieu saint.
dans ta présence. Oui, tu nous couvres de ta justice. Alléluia. Ô Seigneur, lorsque tu t'élèves au-dessus des cieux, je puis contempler ta gloire qui remplit l'univers. Alléluia. Ô Seigneur, merci. Merci pour ton énergie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. 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 Alléluia. Mes amis, le péché nous éloignera toujours de Dieu. Et la parole de Dieu, la repentance, nous rapprochera toujours de Dieu. Tu peux bénir l'Éternel parce qu'en ce moment, tu es proche de lui. Tu peux élever son nom parce que tu es proche de lui. Tu peux être dans l'allégresse parce que tu t'es approché de lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous devons toujours confesser. Nous devons toujours confesser devant l'Éternel Dieu. Confesser nos erreurs. Et nous réclamons ainsi la miséricorde de notre Dieu. Alléluia. Aucun, pas même un seul, ne peut prétendre être sans péché. Et notre seule espérance repose sur la grâce de notre Dieu et sur son pardon. Alléluia. 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 Nous allons remercier le Seigneur. Pour la grâce, pour sa grâce, pour son pardon. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur, merci mon Dieu, pour ton pardon. Alléluia, je suis libéré maintenant. Je suis délivré et je sais Seigneur que ma requête a été entendue. Hosanna, Hosanna, sois élevé, mon Dieu, mon roi. Voilà mon ami, que notre Dieu te bénisse, que l'Éternel fasse luire sur toi son visage et qu'il t'accorde toute sa grâce. Va en paix, ta journée est une journée qui commence avec l'énergie matinale qui vient de Dieu. Et cette énergie qui est puisée dans sa parole. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. 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 Alors, je vous demande de nous retrouver encore demain, où nous allons entrer encore plus en profondeur dans ce psaume 143. Oui, voici notre énergie matinale qui va nous suivre sûrement jusqu'à demain et après-demain. Mes amis, il est bon de louer le Seigneur dès le matin et de clamer sa fidélité et sa bonté. Soyez tous bénis, que votre journée soit ensoleillée, que votre cœur ne soit plus troublé, ne soit point dans le trouble, parce que vous avez l'assurance que votre Dieu est celui qui vous conduit dans sa justice et il est celui qui vous fait miséricorde. N'oubliez pas, car sa miséricorde dure
à toujours. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce de Dieu, partagez ce temps de prière avec une personne et que le Saint-Esprit soit votre guide. Shalom.